Salut, salut, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement consacrée au trading, qui est l'une des meilleures activités pour générer des revenus en ligne rapidement depuis son canapé. Aujourd'hui, nous allons voir une stratégie pour débutants, une stratégie simple mais extrêmement efficace si elle est bien appliquée. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie pour débutants. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances techniques en trading, vous pouvez appliquer cette stratégie et commencer à gagner vos premiers gains dès cette semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite parce qu'il y a encore du lourd à venir. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez rejoindre dès maintenant notre service de copy trading entièrement gratuit. Si vous n'avez pas le temps de faire vos propres stratégies de trading parce que vous avez un travail, vous avez des occupations, vous pouvez simplement copier nos signaux de trading. Vous recevrez en moyenne 5 signaux par jour. Avec les stop loss et les take profit, vous n'aurez juste qu'à les mettre en place dès que vous les recevez via le canal Telegram et vous pouvez ainsi générer vos premiers gains dès cette semaine, dès aujourd'hui même, en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Vous recevrez également une formation complète sur le trading pour apprendre à gagner de vous-même plus de 200 euros par jour en bourse en prenant très très peu de risques. Donc rejoignez dès maintenant notre canal VIP Telegram. L'offre est bien évidemment limitée car je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à notre formation et à nos signaux. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment générer des profits avec une stratégie simple mais efficace? Alors, je ne vais pas retourner sur tout ce qui a déjà été dit dans les vidéos précédentes ainsi que dans la formation complète. Pour gagner au trading, en day trading ou en swing trading, il faut pouvoir surfer sur les tendances. Les tendances haussières et les tendances baissières. Le tout est donc de pouvoir identifier facilement ces tendances pour se positionner dans le sens du courant. C'est un peu comme quand on fait du surf, vous devez repérer une vague et vous surfez dans le sens de la vague, jamais à l'inverse. Et si vous vous trompez, puisque vous n'aurez jamais 100% de trade gagnant, ben vous allez mettre en place un stop loss qui vous permettra de limiter les pertes. Donc vous ne perdrez jamais l'intégralité de votre capital, seulement le montant que vous êtes prêt à perdre. D'accord? Alors du coup, pour appliquer cette stratégie, je vais me mettre sur mon produit préféré, puisque moi j'aime beaucoup, beaucoup trader les indices. Donc l'US 30, hein, qui est l'indice américain, mais également le DE30, qui est le DAX, l'indice allemand. J'ai déjà expliqué ce qu'étaient que les indices dans les autres vidéos. Je vous invite à les regarder si vous ne connaissez pas. Je préfère les indices, si vous me suivez, vous savez que je préfère les indices au Forex. Pourquoi? Parce que les mouvements de tendance, les vagues sont beaucoup plus fortes sur les indices que sur le Forex. Ok? Bien entendu, vous pouvez générer de très beaux gains avec le Forex. Simplement, une fois que vous avez un bon capital, quand vous avez un petit capital, vous commencez avec le Forex. Et ensuite, une fois que vous avez un capital qui commence à partir de 1000 euros, 2000 euros, vous allez pouvoir passer aux indices. Je vous le conseille vivement. Et au niveau de notre service de signal VIP, vous aurez donc les signaux en Forex, mais également les signaux indices pour ceux qui ont le bon capital. Donc du coup, moi, je préfère trader les indices. Ok? On voit ici les vagues haussières, les vagues baissières, haussières. Là, on a une très 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 grosse vague baissière. Ça fait beaucoup 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 d'argent si on sait se positionner dans le bon sens. Alors, pour venir à notre stratégie, on va utiliser des indicateurs techniques simples. On va commencer par l'ADX, juste ici. Alors, l'ADX, on va le laisser ici à 20, appliquer. Et voilà. Alors, l'ADX, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur qui va vous montrer la tendance principale. Quand la courbe rouge ici est au-dessus de la courbe verte, ça signifie que la tendance ici est à la baisse. Comme on peut le voir ici, la tendance est effectivement à la baisse. Tant que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte, la tendance est à la baisse. Quand la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge, ça signifie que la tendance est à la hausse. D'accord? Donc juste ici, c'est relativement simple. Bien entendu, il y a toujours des faux signaux puisque vous n'aurez jamais 100% de signaux gagnants, mais globalement, l'ADX est un indicateur très efficace pour vous montrer le sens de la tendance. L'ADX n'est pas suffisant
Pour aller plus loin, la DX va également vous montrer la force de cette tendance. Donc plus vous verrez qu'il y a un écart conséquent entre les deux courbes, et plus la tendance en question sera forte. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a une vague qui est extrêmement forte, et on voit ici que, il y a un bon écart entre les deux courbes. Ici, en revanche, vous voyez que les deux courbes sont entremêlées entre elles, et effectivement, ici, on a affaire à une phase de range. J'ai déjà expliqué ce qu'était que la phase de range. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une phase où la tendance n'est ni à l'achat ni à la vente, où les investisseurs hésitent à peu près. Il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et ensuite, la courbe de prix peut repartir à la hausse et à la baisse, et ainsi de suite. Il y aura toujours, toujours, toujours des phases de range. Et l'ADX pourra vous montrer très facilement quand vous êtes dans une phase de range. Alors, bien entendu, un seul indicateur n'est pas suffisant, il en faut d'autres. Alors, on va rajouter ici la MACD, qui est, comme vous le savez, mon outil préféré, l'un de mes indicateurs techniques préférés. La MACD va contribuer à renforcer le signal d'achat ou le signal de vente. Alors pour le coup, quand vous allez mettre vos paramètres de MACD, quand vous allez configurer votre MACD, normalement vous aurez ici 12, 26, 8. Moi, j'ai changé du coup les paramètres et je vous conseille de faire autant si vous voulez appliquer cette stratégie. Avec ces paramètres, donc 8, 21, 5, les signaux seront beaucoup plus rapides. Je clique ici sur appliquer et là on a la MACD juste en bas. Alors, on va essayer de mieux visualiser cette MACD. Alors, comment fonctionne la MACD? Pour rappel, quand vous aurez des croisements ici, on voit qu'on a un croisement à la hausse qui se fait en dessous de la ligne de signal. Ça signifie qu'on a un signal d'achat. Quand on a un croisement à la baisse ici, au-dessus de la ligne de la ligne 0 ici, ça signifie techniquement qu'on a un signal de vente. Pour aller plus loin, quand la courbe ici va croiser la ligne 0, ça signifie qu'on a un signal à la baisse forte quand on a un croisement à la baisse comme ici, et quand la courbe dépasse du coup la ligne 0, ça signifie qu'on a une tendance haussière qui est censée être forte. Comme vous voyez, encore une fois, on a des faux signaux et grâce à l'ADX, on va pouvoir filtrer ces faux signaux. Alors, avec déjà ces deux outils, on a déjà une vision un peu plus claire sur les signaux de tendance. Ici, par exemple, on voit un croisement de la ligne verte au-dessus de la ligne rouge sur l'ADX, ce qui sous-entend que techniquement, nous sommes dans, enfin, on peut se positionner à l'achat. Du coup, il faut rajouter encore un nouveau filtre et on va rajouter comme dernier filtre, la moyenne mobile exponentielle qu'on va paramétrer à 200. Donc, normalement, vous connaissez déjà le principe de la moyenne mobile exponentielle 200. C'est une moyenne mobile qui permet, encore une fois, de montrer la tendance. Quand la courbe de prix est au-dessus de la moyenne mobile 200, ça signifie que nous sommes dans une tendance haussière et du coup, il ne faut prendre que les signaux haussiers. Les signaux haussiers seront toujours plus forts que les signaux baissiers quand on est dans une tendance haussière. Et de même, quand la courbe de prix est en dessous de la moyenne mobile exponentielle, nous sommes dans une tendance baissière et donc du coup, il ne faut prendre que les positions vendeuses quand on a des signaux à la vente. Ici, par exemple, on voit bien que nous sommes en tendance baissière. La courbe de prix est bien en dessous de la moyenne mobile 200. Du coup, il faut privilégier que les signaux à la vente et non les signaux à l'achat. Comment va-t-on prendre ces signaux à la vente? Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, au niveau de l'ADX, on va chercher les croisements où la courbe rouge croise à la hausse la courbe verte. Dès que la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, comme ici, on a un signal baissier. Et il faut confirmer ce signal baissier avec la MACD. Il faut que ce croisement de l'ADX soit précédé d'un signal MACD, c'est-à-dire d'un croisement à la baisse MACD, soit idéalement d'un croisement ici au-dessus de la ligne 0, soit alors un croisement des courbes sur la ligne 0 ici. Ce qui est le cas juste ici, par exemple, on a ici un croisement, on voit la ligne rouge qui se met au-dessus de la ligne verte.
D'accord? Et quand on regarde ici sur la MACD, on voit bien également que la MACD croise la ligne 0 à la baisse. Le tout se passe au-dessous de la moyenne mobile de 100. On obtient donc un signal puissant pour se positionner à la vente. On va donc placer son stop loss au dernier plus haut, donc juste ici, à peu près ici. Et ensuite, au niveau du take profit, tout dépend. Moi, j'aime bien utiliser des take profits multiples. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Les take profits multiples vous permettent de générer plus de gains en prenant moins de risques. Ou alors, vous utilisez un trailing stop. Ça veut dire que vous laissez courir vos gains et à chaque fois vous déplacez votre take profit. Si vous mettez par exemple un stop loss, je voulais dire, si vous mettez un stop loss ici initialement, et ben au fur et à mesure de l'évolution de la courbe, vous allez placer un nouveau stop loss ici, vous allez placer un nouveau stop loss ici et ainsi de suite. Ainsi, vous allez générer un maximum de gains. D'accord? Bien entendu, si vous ratez le premier signal, vous allez attendre un nouveau signal. Comme ici, par exemple, on voit que la ligne rouge se repositionne au-dessus de la ligne verte. On voit encore une fois qu'on a un croisement des courbes MACD sur la ligne 0. D'accord? Un croisement à la baisse sur la ligne 0. Le tout qui se fait au-dessous de la moyenne mobile de 100. On obtient donc un signal de vente et on se positionne. Encore une fois, vous utilisez soit des trailing stops, soit des take profits multiples et vous placez votre stop loss initial au dernier plus haut. C'est aussi simple que ça. Retenez également que la tendance sera beaucoup plus forte si vous arrivez à capter un signal à proximité de la moyenne mobile 200. Comme ici par exemple. On a ici un premier signal. Là, on voit bien qu'on est très très proche de la moyenne mobile de 100. Ça signifie qu'on démarre une tendance baissière. Pour les retardataires, on a eu ici un autre signal à proximité très très proche de la moyenne mobile de 100. Et donc, du coup, ensuite, on capte toute la tendance. Si vous captez, si vous prenez un signal ici ou ici, ben la tendance a déjà bien démarré. Du coup, il se peut qu'elle soit moins puissante et qu'on assiste ensuite soit à une nouvelle phase de range, soit à une phase haussière. D'accord? Donc vraiment, idéalement, le Saint Graal, quand vous arrivez à capter une concordance des signaux à proximité de la moyenne mobile 200. Et là, non seulement vous aurez un taux de réussite supérieur à 80%, mais vous aurez des gains très très important sur chaque trade. Voilà, je vais mettre en M15 puisque vous pouvez effectivement utiliser cette stratégie sur le time frame que vous voulez. Donc en une heure, moi c'est mon time frame préféré. Mais vous pouvez également vous mettre en M15, donc en unité 15 minutes, pour avoir plus de signaux. Si vous regardez bien ici, vous aurez exactement la même chose avec une tendance haussière forte. Vous voyez bien que quand vous captez un premier signal à proximité, vraiment tout proche de la moyenne mobile 200, alors vous démarrez une nouvelle tendance et vous captez du coup toute la vague. Si la vague est très très forte, vous allez capter beaucoup 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 de pips et beaucoup de profits. Évidemment, ça fonctionne sur n'importe quel produit. Donc je peux aller du coup sur le Forex et faire exactement la même chose. Donc je vais aller dans FX majeur et je vais sur l'euro USD ouvrir le graphique. Et voilà. Donc là, nous sommes sur l'euro USD. Et ici, on voit que nous sommes dans une période de range, puisqu'on voit bien que la moyenne mobile de 100 est à plat et que les courbes de l'ADX sont entremêlées les unes des autres. Dans cette situation de range, il vaut mieux éviter de prendre des trades, puisque vous n'aurez pas des mouvements assez puissants pour pouvoir générer des gains intéressants. Donc, dans ce cas de figure, il vaut mieux ne pas prendre de trade et passer sur un autre produit où il y a une tendance intéressante. Et l'avantage avec ces indicateurs, c'est que vous saurez tout de suite si c'est la peine de prendre un trade ou pas. Vous verrez tout de suite si vous êtes dans une tendance haussière, baissière ou en range. Ici, a priori, on repart sur une nouvelle tendance.
Et on voit que la moyenne mobile 200 commence à changer de position, puisque là, elle était totalement plate. Ben là, elle commence à se courber vers le bas. Donc ici, on aurait pu avoir un signal intéressant que je n'aurais pas pris personnellement. Pourquoi? Parce que la courbe de prix était encore au-dessus de la moyenne mobile 200. Dans ces cas-là, il vaut mieux être prudent et attendre un nouveau signal quand quand la moyenne mobile 200 sera vraiment en position baissière, avec la courbe de prix qui va flirter avec elle. Donc ici, pas de panique, il faudra juste être patient. Ici, la courbe, ici que vous voyez, elle commence à remonter un petit peu et elle va redescendre. Ici, on commence une nouvelle phase baissière, hein, ça je vous le garantis. On commence une nouvelle phase baissière avec ici une petite correction à la hausse et qui va repartir. La courbe de prix, du coup, va commencer à descendre comme ceci. Et au prochain signal, on pourra se positionner dessus et capter une forte vague baissière. N'hésitez pas à pratiquer en mode démo. Moi, je suis en mode réel, mais vous pouvez très bien vous mettre en mode démo pour pratiquer cette stratégie qui est vraiment très efficace quand on l'applique sérieusement. Dès que vous voyez que la moyenne mobile 200 est plate, ne prenez pas de trade, attendez une position. Et quand la moyenne mobile 200 est plate, ça signifie que fatalement, elle va repartir en tendance. Vous le voyez ici, d'accord? Vous voyez bien qu'elle était plate ici, donc ça ne servait à rien de prendre des risques. Même si on avait des signaux intéressants, par exemple ici, on voit que l'ADX était passé au vert avec un croisement MACD à la hausse, mais la moyenne mobile ici était relativement plate. Et qui plus est, le stop loss ici aurait été beaucoup trop loin. Vous voyez bien ici que le dernier plus bas ici, il est beaucoup trop bas par rapport à votre point d'entrée. Du coup, impossible de faire un trade intéressant. Il aurait mieux valu attendre un nouveau signal à la hausse. Un signal qui n'a jamais eu lieu, puisque quand vous regardez ici, la courbe est repartie ensuite en baisse. Puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on était dans une phase où les acheteurs et les vendeurs étaient un peu incertains. Donc, on n'a jamais eu de signal intéressant par ici. Et on a eu ensuite un signal à la baisse, comme vous voyez ici. L'ADX est passé au rouge, on a un croisement MACD à la baisse, mais encore une fois, tout ceci s'est fait au-dessus pratiquement de la moyenne mobile. Du coup, il valait mieux attendre un nouveau signal à la baisse qui aurait confirmé qu'on a affaire à une bonne baisse et qui plus est ici, le stop loss, encore une fois, aurait été un peu trop haut. Arrivé ici, on a le fameux signal qu'on attendait. On a l'MACD ici qui recroise à la baisse. On a l'ADX ici qui repasse au rouge. Et tout ceci s'est fait en dessous de la moyenne mobile 200 et à proximité de la moyenne mobile 200. Comme ça, on peut placer son stop loss tranquillement juste au-dessus de cette moyenne mobile 200 qui sert ici de résistance. D'accord? Et ainsi, on capte toute la vague jusqu'ici avec des stop loss suiveurs comme ici et ici. Et du coup, de là à là, ben, vous aurez capté au moins 50 pips et soit un gain de 224 euros pour moi, juste en étant suffisamment passant. C'est très important, comme je vous l'ai dit, quand vous avez cette phase où la moyenne mobile 200 est relativement plate, ça signifie qu'elle va repartir dans une tendance et il faudra attendre un signal à proximité de la moyenne mobile 200 quand elle repart. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'ici, on avait une phase creuse ici, enfin une phase de range ici, et que la moyenne mobile, a priori, elle repart à la baisse. Si on a un nouveau signal qui est exactement comme celui-ci, dans la même configuration que celui-ci, cela me fera très beau trade et pour vous également. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou directement par Telegram. Vous aurez mon lien Telegram en dessous de cette vidéo, en description. N'hésitez pas à mettre en pratique cette stratégie sur un compte démo, par exemple. Moi, je suis en compte réel, mais vous pouvez le faire sur un compte démo. Et une fois que vous serez prêt, vous pourrez passer en compte réel. Voilà. Encore une fois, si le trading vous intéresse et que vous n'avez pas suffisamment de temps pour mettre en place vos propres stratégies,
Vous pouvez dès à présent rejoindre notre canal VIP Telegram où vous aurez notre service de signaux trading quotidien sur lequel vous recevrez tous les jours en moyenne 5 signaux de trading avec les stop loss et les take profit. Voilà, donc si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour connaître les modalités d'inscription à notre canal VIP. En attendant de vous retrouver au sein de notre groupe VIP, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!